La créativité va être le sujet de ce vlog d'aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui il est très exactement 22h26, donc il est déjà bien tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet avec vous parce que je vais vous montrer une nouvelle création que je vais faire aujourd'hui. Et je pense que la créativité est une des choses les plus compliquées à avoir dans la vie. Et en tous tes bons youtubeurs et vidéastes qui se respectent, je pense que développer sa créativité est ce qu'il y a de plus important sur internet. Du coup, j'ai 5 cartons aujourd'hui qui vont me servir à faire quelque chose. Il est, donc comme je vous ai dit, juste avant 22h et je vais sortir faire ça. Du coup, je pars en virée avec tout plein de trucs. Mais surtout, pour être créatif, il faut avoir des bonnes idées et avoir surtout des bons endroits. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je suis dehors, il fait un peu froid honnêtement. Mais j'ai remarqué énormément de choses, c'est que des fois vous arrivez, enfin surtout dans mon cas en ce moment, quand je voyage et tout c'est cool, les vlogs sont sympas, je vous emmène avec moi, j'ai toujours des choses à vous montrer. Mais quand je reviens chez moi, il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce qu'effectivement il y a des journées qui sont moins intéressantes que d'autres dans la vie. Et j'ai cette chance de pouvoir vivre des vidéos. Du coup, il y a des jours où j'ai moins de choses à faire. J'ai streamé toute la journée du gaming. Et aujourd'hui, je me retrouve ici, dans un skatepark, que je vais vous montrer tout de suite. À 22h, ou 23h maintenant. Et en fait, c'est juste... Je trouve ça top comme endroit. C'est très, très chelou. Très en mode un petit peu grunge comme ça. Et je pense que pour une intro le soir, ça peut être très sympa. Après, pour revenir sur le sujet de la créativité, je pense qu'aujourd'hui, les youtubeurs qui cartonnent le plus et qui sont les plus appréciés sont très très créatifs. J'ai un très bon exemple d'une youtubeuse que j'apprécie qui est une amie à moi, si tu passes par là, parce que je sais qu'elle regarde mes vlogs, je te fais un bisou. Emma qui a fait une vidéo, elle testait des produits de mec où je me suis tapé une barre. Et aujourd'hui, si vous voulez plaire aux gens et si vous voulez faire en sorte que les gens vous reconnaissent et vous trouvent une différence, je pense qu'il faut être créatif. J'ai un deuxième exemple à vous donner qui est un peu plus sur mon Instagram. Vous avez peut-être vu que j'ai fait, ou une vidéo même, j'ai fait un shoot avec une fille qui a 15 ans qui s'appelle Coralie, qui fait des photos juste incroyables. Et ça, c'est un grand talent. Alors vous-même, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous plaît réellement et à quel endroit est-ce que vous allez pouvoir devenir créatif? Et surtout, dans quel domaine? Bon, tout est en place, à peu près. L'ambiance est plutôt cool. Je pense que ça va rendre bien. Et voilà, du coup, je suis rentré et là, je viens de finir de monter, du coup, l'outro et le vlog. Alors, pour vous dire la vérité, le rendu est sympa, ça me plaît, c'est pas parfait. J'aime bien que les choses soient parfaites, ça ne l'est pas. Mais voilà, je pense que c'était une idée un petit peu originale. Et n'hésitez pas à me dire sur le sujet de la créativité. Alors c'était un vlog, je vous dis, un peu différent des autres. Hein. C'était pas un vrai vlog, c'était vraiment, en gros, une vidéo un petit peu explicative. Et surtout, le tournage et le filmage de ma nouvelle outro. Qui sera donc une outro de nuit. Du coup, j'en ai une d'hiver, une où il fait beau, une de nuit. Il m'en manquera encore quelques-unes. Et j'aimerais surtout vous demander, selon vous, quel est... le plus important, genre moi je trouve que la créativité par rapport à ce que je fais c'est le plus important. Vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui est selon vous le plus important à avoir pour réussir dans une vie professionnelle ou privée comme vous voulez. Je vous laisse tout de suite avec cette nouvelle outro, soyez indulgents, je trouve que c'est pas mal mais c'est pas encore parfait. Sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à demain.